C'est 717 écoles et lieux de culte qui ont été inventoriés par mes services et qui sont protégés ce matin. Cela représente un effort de la part du ministère de l'Intérieur très significatif, puisque c'est près de 4700 policiers et gendarmes qui aujourd'hui assurent la protection des écoles et des lieux de culte juifs en France. Que les terroristes comprennent bien qu'il n'y a pas de sanctuaire pour eux en France. Le combat, je le dis avec la plus grande netteté, la plus grande détermination, la plus grande fermeté, et en les regardant dans les yeux, la lutte contre le terrorisme sera en France sans trêve ni pause. Tous ceux qui s'imaginent pouvoir échapper à la justice et à l'action des services de police se rendront compte que la République les rattrapera. Nos enfants sont citoyens français. Est-ce que c'est normal que devant leur école, il y ait un quart de CRS depuis de nombreuses années? Est-ce que c'est normal qu'il y ait une voiture de police en faction devant les synagogues? Non, ce n'est pas normal. Et là, nous, on a des questionnements de nos enfants. Ça a été le cas tout le week-end. Pourquoi, maman? Mais c'est une école, c'est une épicerie.